Alors, j'aimerais m'adresser quelques instants aux gens de la circonscription de Verchères et dire à quel point je suis honoré, et c'est pour moi une grande fierté de solliciter de nouveau un mandat pour vous représenter à l'Assemblée nationale sous les couleurs du Parti québécois. Le Parti québécois qui met de l'avant de belles valeurs, de grandes valeurs, celles de rétablir la confiance. Vous vous souvenez de la patente à gosse? Bien, je souhaite effectivement que nous puissions rétablir la confiance des Québécoises et Québécois envers leurs institutions. Nous voulons faire en sorte de s'enrichir, faire en sorte que les Québécoises et Québécois soient plus riches. Et cela, ça passe, entre autres, par de meilleurs services en matière de transport en commun pour permettre effectivement un meilleur développement économique. On parle également de s'entraider. S'entraider, c'est entre autres des politiques familiales qui soient à la hauteur des besoins, des attentes des gens de la circonscription de Verchères, que ce soit en matière de logements sociaux pour les familles et les aînés, mais aussi en matière de places en garderie. S'affirmer, finalement, c'est dire qui nous sommes, ce que nous voulons être, c'est décréter une nouvelle loi 101, de faire en sorte d'avoir une charte de la laïcité, d'instaurer une citoyenneté québécoise, de mettre en place une constitution québécoise. Enfin, pour toutes ces raisons, je souhaite qu'au-delà du 4 septembre prochain, je puisse continuer à vous représenter et continuer à faire mon travail, et ce, dans votre meilleur intérêt pour la suite des choses. Merci.